Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a quatre échanges si je me trompe pas, et je crois que ce sont que des échanges. Donc ça fait une réception gratuite, c'est génial. J'ai fait des échanges avec des abonnés tout simplement. J'ai demandé sur Insta et sur Vinted, soit c'est moi qui allais vers les personnes, soit c'est eux qui venaient vers moi, tout simplement pour remplir ma collection. Donc quatre réceptions plus une cinquième. Donc on va commencer par la cinquième qui est une réception que j'ai fait chez moi dans la semaine. Donc là je tourne le week-end. Mais je vous montre quand même parce que j'ai reçu deux belles cartes. On a ce Pingoléon, donc les deux sont dans le même top loader, je les ai reçus comme ça. Donc on a ce Pingoléon qui est une secrète de noir et blanc glaciation plasma. Donc ça, c'est une carte qui est vraiment très très rare, surtout dans un état comme ça qui est quand même très bon selon moi. Malheureusement, vous l'avez peut-être vu ici, la carte est ancrée et donc on a un enfoncement en plus. Donc c'est vraiment dommage. Ça enlève toute la valeur à la carte, donc c'est des cartes que j'ai payé 4 euros unité. Donc sur Vinted c'était 8 euros le lot, avec les frais de port on était à 11 euros et quelques, donc ça revient à un peu moins de 6 euros au final la carte en comptant les frais de port. Donc pour une carte comme ça je trouve ça vraiment pas cher malgré le fait qu'elle soit ancrée, parce que c'est une carte que j'aurais pas pu me payer autrement. Donc je pense que je vais l'envoyer chez PCA, elle reviendra avec la mention inked, donc qui veut dire ancrée. Mais ça serait très beau sous le boîtier et je trouve que ça peut être sympa quand même, sachant que c'est le seul starter de la 4G qui a été fait sous cette version gold. Donc je suis un peu dégoûté parce que j'aurais vraiment aimé avoir un Torterra ou un Simiabras comme ça, mais le Pangoléon est déjà très joli. Donc je suis bien content. Et ensuite, on va avoir ce Typhlosion. Donc ce Typhlosion qui a le même problème, ce ne sont pas les mêmes lettres, mais c'est exactement le même problème. En plus là, on a un pli, je ne sais pas si vous allez le voir, si on le voit un petit peu quand même. Donc voilà, deux petites cartes qui sont quand même sympas. Celle-ci, donc à droite, partira dans mon classeur de Prime. D'ailleurs, je crois que j'ai une page complète, donc ça va me faire une nouvelle page qui se débute. C'est très bien. Et la deuxième partira sous PCA authentique. Et donc je crois qu'on ne peut pas mettre authentique quand il y a de l'encre, donc ce sera inked. Mais ce sera très bien comme ça et ce sera très joli. Et on est parti maintenant pour le déballage des colis. Donc ce que je vais faire, c'est que à la fin de la vidéo, je vais vous afficher tous les pseudos Insta ou Vinted des personnes si j'oublie pas et si je retrouve tout le monde, parce que vu qu'il y en a 4, c'est assez compliqué de se souvenir qui a échangé quoi. Donc je vous mettrai tout d'un coup. On est parti pour le déballage du premier colis. Alors voilà comment ça se présente, il y a un peu de tout dedans. Enfin, dedans, dans ce colis-là, il n'y a que du Wizard, mais dans les autres colis, il y a un peu d'autres choses, donc au final, ça va être assez varié. Ici, donc je vais sortir les cartes des top loaders. C'est des cartes qui sont en très bon état en général, il me semble. Donc on va tout sortir. En plus, j'ai deux petits top loaders gratuits, c'est génial. Et on va avoir donc un Hypocéan de fossiles, qui est une peu commune. On va avoir cette carte de fossiles également, qui est une commune. Et franchement, les états sont magnifiques. Ensuite, derrière, on a le Arbok, qui est une unco. Et le Krabos, qui est une unco aussi, donc on avance de 4 cartes sur fossile, on se mettra ça sous classeur juste après. Et c'est des cartes qui sont parties contre des cartes de diamant et perles, si je me trompe pas, je suis plus trop sûr, mais il y a des chances que ce soit ça quand même. C'est pour ça que quand je fais plein d'échanges, c'est compliqué de se souvenir à chaque fois qui a échangé quoi. Mais je sais que j'ai échangé pas mal de DP dernièrement, donc que des doubles. Donc ça en fait partie. Ensuite, on attaque avec la deuxième, donc là j'ai enlevé l'étiquette avec l'adresse. Il reste juste donc Vincent, donc au moins on ne sait pas qui c'est très bien comme ça. Et on part pour le déballage tout de suite. Alors voilà comment ça se présente. Finalement, je me suis trompé, ce n'était pas que des échanges, parce que celui-ci, c'est un achat. J'ai acheté deux cartes, donc si je ne me trompe pas, ce sont deux primes. Donc on a premièrement ce Celebi Prime qui est juste magnifique, une des dernières primes de triomphe qui me manquait. Et la deuxième, c'est ce Absol, donc qui est magnifique aussi. Des cartes que j'ai eues pour 10 euros unité, donc ça me faisait 20 euros à frais de port inclus si je me trompe pas. Donc très sympa, le prix qui est pas très cher parce que les états sont quand même très corrects. En général, mes primes sont en moins bon état que ça. Là, quand on regarde derrière, ça reste correct, elles sont pas pliées ni rien. Pour moi, on est sur du bon état. Donc 10 euros unité, ça me paraissait pas cher, surtout que c'est quand même des très belles primes et des Pokémon très appréciés. Entre le Celebi qui est un légendaire et le Absol qui est juste trop stylé. Donc voilà, deux cartes qui vont aller directement dans le classeur Triomphe à la fin de la vidéo, qui n'iront pas avec les doubles parce que je ne les avais pas. Mais on va profiter un peu de ces deux illustrations, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Donc je suis trop trop content. Et donc ça, c'était un achat.
On enchaîne ensuite avec une nouvelle enveloppe. Donc celle-ci, il n'y avait même pas l'expéditeur de noter, donc c'est parfait. Au moins, j'ai rien eu à enlever. Ah bah comme ça, c'est nickel. Merci pour l'échange. Donc là, j'ai même pas besoin de vous noter son Vinted. Donc ça vient de Vinted. Et je vous le mets là. C'est CLG20D. C'est pas hyper pratique à prononcer. Et Sego 35. Ah mais tu viens du 35 si ça se trouve, en fait, j'ai même pas capté. Parce que moi je suis du 35, donc si ça se trouve on est du même département. Mais en même temps, je me souviens pas de l'avoir envoyé dans le 35 ton enveloppe. Donc tu me reconfirmeras si tu passes par là. Merci pour l'échange. Bah écoute, merci à toi aussi. Et on va se déballer ça. C'est très bien emballé en tout cas. Alors ici, je me souviens plus exactement de ce dont il s'agit. Ok, c'est bon, je me souviens. Donc là, on commence déjà avec une très belle holo du BlockX. Donc dans ce lot, il y a vraiment de tous les états. J'ai échangé contre des reverse du BlockX. Donc il y avait 5 reverse du BlockX dans des états plutôt corrects. Et en face, il y a quand même des belles choses. Donc déjà, on va commencer avec une holo du BlockX. Donc qui est ce Milobellus holo de Emerald. Qui est très joli et dans un état qui est très correct, franchement. Regardez-moi cette illustration. C'est magnifique. Et l'état, ouais, on est sur du bon état, hein, good plus à mon avis. Donc ça, c'est très plaisant et ça va aller dans le classeur juste après. Et ensuite, toutes les autres cartes sont dans le même pochon, c'est tout simplement parce que les états sont pas incroyables. Hop. Mais c'était vu à l'avance les états, de toute façon on a tout vu ensemble. Donc voici le Typhlosion que j'ai déjà mais que j'ai pris quand même parce que, bah d'ailleurs c'est le deuxième qu'on reçoit dans cette vidéo, c'est pas le même. On a les deux qui sont juste ici. Donc celle-ci je l'avais déjà mais je prends même les doubles parce que bah, en valeur d'échange c'est toujours cool de récupérer des petites primes ou même des niveaux X. Et vous voyez que derrière il y en a deux qui vont arriver des niveaux X. Une que je n'avais pas et une autre que j'avais. Ici le Helix Print donc qui est une rare simple de Emerald également. Donc celle-ci que je n'avais pas il me semble. La Philali qui est une des dernières niveau X qui me manque dans le bloc tout simplement. Donc elle est explosée celle-là, mais bon, en attendant d'avoir un meilleur état, elle ira quand même dans le classeur. Sachant que c'est une niveau X qui est un peu chiante à trouver et qui coûte assez cher vu que c'est une évolution. Et ensuite on a le Palkia en promo. Donc celle-ci je l'ai déjà si je ne me trompe pas. Mais pareil, je les ai pris. Donc valeur d'échange 2€ par carte, là je crois que c'était ça à peu près. Donc plutôt content pour 2€ de récupérer des niveaux X. Et donc ouais, moi j'ai échangé contre des reverse du BlockX, sachant que les reverse du BlockX, moi je cherche à les échanger, car je ne les collectionne pas, parce que ça coûte trop cher en fait, donc je préfère avoir plus de niveau X et moins de reverse du BlockX. Je trouve ça plus sympa de faire un classeur avec que des niveaux X. Donc voilà ce que ça donne pour cet avant-dernier échange, très content et merci beaucoup à toi pour cet échange. Et on va sortir le dernier. Donc le dernier colis, il est juste là, on va mettre un petit coup de scalpel en haut, pour s'ouvrir ça. Donc franchement là, rien à dire, c'était super bien protégé dans le petit carton et tout. Et on a un lot de cartes. Ok, bah déjà, ça c'est des cadeaux, il me semble. Je vous avoue, je me souviens plus trop du contenu, donc on va tout déballer ça ensemble. Donc je me souviens plus du tout ce qu'il y avait au sein de cet échange. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas autant de cartes. Donc déjà, je suis très content parce qu'il y a des petits cadeaux. Moi, j'en mets pas tout le temps, ça dépend, mais... Quand j'y pense, j'essaye d'en mettre. Mais c'est pas toujours possible. Donc ici, mais on a un nombre de cartes incroyable. Alors, on va avoir. J'ai foutu du bordel partout. J'ai un peu sali mon fond. Mon fond qui est juste un classeur, en fait. Mais je trouve ça plus sympa d'avoir le fond noir. Au moins, on voit mieux les cartes. Donc ici, on a un Pikachu. Ça, c'était pas prévu dans le lot. Ça non plus, c'est un petit cadeau. Donc très content. Là, on a le Pyroli de l'Appel des Légendes. Donc ça, c'est des cartes que je n'avais pas, si je ne me trompe pas. La méthode d'entraînement du prof Orm. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir un traîneur qui est recyclage d'énergie, donc qui nous vient de Ex-Dragon. On continue sur le bloc X avec le Galekid, qui a une autre carte derrière. Donc Galekid de Team Magma et Team Aqua. Et on a encore du ADL, donc avec ce Teddy Ursa. On va avoir sur la Team Aqua le Obali. Le Germignon, donc là c'est du Légende oubliée, elle est très sympa cette illustration. On va avoir le petit Electrode, donc celle-ci que je n'avais pas non plus, je crois que la plupart des cartes je les avais pas, c'était vraiment un échange pour compléter mes séries. Donc là il y a plus de Hex que d'habitude, en ce moment j'essaye de finir DP, AGSS et Platine. Mais bah, quand je peux récupérer des Quenco du bloc Hex, j'essaye de le faire quand même.
petit Meliena aussi. Là, je vous avoue, je me souviens plus du tout ce que j'avais échangé contre tout ça. Du rouge feu vert feuille. Petit coucou à Nolan. Ensuite, ici, on a du rubis saphir avec ce Paracool. Le Lucario, donc, qui est holographique, qui nous vient de l'Appel des Légendes également. Donc, c'est l'holo du deck, celle-ci. On voit l'effet Cracked Eyes, donc avec les petits triangles comme ça. Donc, quand c'est comme ça, c'est que ça vient du deck. Je le dis souvent bah, à chaque fois que j'ai des cartes comme ça, en fait, mais je peux toujours apprendre des choses à certaines personnes, donc bah, tant mieux. Ici, on a le Galégon de la team Magma, donc, qui était sous top loader également. On va avoir le Rapace de Pique, donc tout ça c'est des cartes que je n'avais pas si je ne me trompe pas. Rapace de Pique de Gardien de Cristal, donc qui est une belle rare. On continue sur les rares avec encore du Gardien de Cristal, mais cette fois-ci c'est le Lagron en type combat. Et enfin, j'avais oublié cette carte, bah écoutez c'est très bien. Donc on continue sur Fossile parce que j'ai eu du Fossile en début de vidéo. Et on va terminer avec du Fossile également, avec cette carte qui est explosée. Mais ça m'a permis de l'avoir pour pas cher. Donc cette carte qui est un magnéton holographique en français. Donc là, il n'y a que du français. De la série Fossile numéro 11. Et donc ça doit être une de mes premières holo fossiles. Peut-être même la première. Donc très content. Ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais rentrer dans mon Pokécardex. Parce que je ne sais plus si c'est à jour. Donc je vais vérifier tout ça. Et puis je vais sortir les classeurs pour ranger tout ça à l'intérieur. Hop là, je vous reprends en 5 minutes, je viens de recevoir un petit colis de dernière minute qui nous vient de chez les poteaux MG Pop, donc j'ai déjà leur carte de visite, j'ai reçu un colis comme ça hier. Et donc là, j'en ai un deuxième qui vient donc de leur live Whatnot. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se déballe tout de suite et puis on va ajouter ça à la réception. Donc voilà comment ça se présente, comme la dernière fois, on a le petit pochon avec le sticker MG Pop. De l'autre côté, bah, on voit déjà la première carte, on a la carte de visite. Et on va se découvrir ça tout de suite. Et voici, donc tout est sorti. On va le mettre dans ce sens-là pour découvrir dans l'ordre. Donc on a la petite carte de visite. Je commence à en avoir une petite collection. Du coup, c'est ma deuxième. On commence avec ce Simiabraz. Ce Simiabraz qui est le dernier starter que je n'avais pas en promo niveau X. Donc très content de l'ajouter. 3€. Sachant que je l'ai payé que dalle parce que, encore une fois, j'ai des réductions sur Whatnot grâce à mon code de parrainage. Donc très content d'ajouter ce petit Simiabraz en version explosée à la collection. Et je vois qu'il y a un beau spirouli en plus, donc il y a une petite spirale juste là dans le coin. Donc c'est magnifique. Je vais lui mettre une petite sleeve comme les autres et puis il partira sous classeur, dans le classeur des promos. Ensuite ici, oh, je l'avais oublié celui-là. Alors celui-là, j'avais pas prévu de l'acheter, c'est une ex, donc ça fait un petit moment que j'ai pas rentré d'ex dans la collection. Celle-ci, je l'ai eu à 2€, donc elle est explosée, mais au moins ça fera une de plus dans le classeur. Je vais juste devoir regarder Pokécardex parce qu'on voit ni la série ni le numéro. Alors si je me trompe pas, c'est du Gardien de Cristal, mais je suis pas sûr à 100%, donc on checkera ça après. Ensuite, donc j'ai acheté un lot de Reverse de noir et blanc. Donc on va faire comme ça, les Reverse sont là. Donc, vous avez vu la carte suivante, mais c'est pas très grave. Donc on a, si je me trompe pas, 4 reverse de noir et blanc, donc le Votutris, qui sont vraiment dans des états très clean. Communication Pokémon, Darumaron et Gruikui. Et derrière, on va avoir ce Torterra. Donc, je vais sortir les deux cartes du top loader, tout simplement parce que elles n'iront plus sous top loader. Le Torterra partira dans la collecte avec les autres. Et puis l'autre reverse partira sous classeur dans le Master Set. Donc ces 4 cartes là, les reverse que j'ai eu pour la modique somme de 1€. Donc c'est vraiment que dalle, 25 centimes des reverse de noir et blanc dans un état comme ça, à l'unité, c'est vraiment que dalle. C'est pour ça que j'ai pris, c'était pas prévu, mais du coup à ce prix là, j'ai foncé. Ensuite du coup, ce Torterra que j'ai dû avoir à 1 ou 2€ je pense, et 1€. Donc franchement, que des bonnes affaires sur ce live. Le petit Torterra à 1€, alors même s'il est bien bien abîmé à 1€, je prends toujours ce genre de carte. Et enfin, cette carte qui est plus intéressante mais plus chère, je l'ai payée 6€. Tout simplement également parce qu'elle est plus rare. Donc c'est pour ça, malheureusement, elle est bien abîmée ici. Mais sous classeur, ça rendra très bien. Une promo que je n'avais pas. Donc encore une niveau X dans cette réception, c'est génial. Et ici, cette carte, oh, je l'avais oublié celle-là. Celle-ci, j'ai dû la payer 2€ si mes souvenirs sont bons. Je vais checker ça tout de suite et c'est exactement ça. Donc le dos est explosé, la face bah, elle est un peu mieux. C'est une carte que j'ai déjà, je crois que je l'ai en meilleur état que ça, on checkera quand même.
je vérifierai ça. Mais en tout cas, bah, si elle est en meilleur état, elle ira dans ma collecte. Et si elle est en moins bon état, elle ira aussi dans ma collecte, mais cette fois-ci dans le classeur de double. Donc maintenant, on est bon cette fois-ci et on va pouvoir passer pour le rangement sous classeur. On va commencer par ranger le Wizard. Et donc dans le Wizard, on commence par Fossil. Et finalement, c'était pas ma première holo, c'est la deuxième. Donc c'est la numéro 11, là on a la 10. Et la 11 va venir juste ici. Une deuxième holo de cette série, on a le gros tas de morphs que j'avais trouvé à 4€ chez le poteau Pika Plasma, si je ne me trompe pas. Ensuite, on va avoir donc ce Arbok. Ce Arbok qui est numéro 31. Donc là, on va avancer un peu. Ici, on est à 27. 28, 29, 30 et 31. Ça va être là. Donc, j'ai juste mis le prix au dos, histoire que ça ne gêne pas l'illustration. Ensuite, on a le Krabos. Donc ce Krabos, c'est pareil, je vais enlever le petit post-it et puis on va juste retourner la sleeve. Numéro 38, ça va être là, 36, 37 et 38. Ensuite on poursuit avec le Hypocéan, pareil on retire le post-it. Numéro 42, donc on est à 4 places derrière et je dois avoir un problème dans mon classeur. Je crois que je me suis trompé parce que là 38, 39, 40, 41, 42. Et j'ai la 46 qui est ici. 43, 44, 45. C'est la 45 qui devrait être là. Donc on a un petit décalage. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un accéléré. Et je vais tout ranger dans le bon ordre. Alors je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Mais finalement, il y a juste le Abo et le Hippotramp qui n'étaient pas au bon endroit. Donc tant mieux, j'ai pas eu tout à décaler. Les autres cartes étaient bien positionnées. Donc au moins, je gagne du temps. Et ici, on a la numéro 60. Donc on est à 59 ici et 60 juste ici. Ensuite on va changer de classeur et on va passer sur le bloc X. Nous voilà sur le bloc X. Alors pour ceux qui me demandaient, j'ai des cartes, là on a au dos, il y a marqué Ruby Saphir, donc c'est le nom de la série. Ce sont des fausses cartes. Et du coup, ce n'est pas des cartes qui correspondent au bloc X, donc c'est pour ça qu'elles sont là. C'est tout simplement pour marquer, pour faire les intercalaires, vu que j'avais pas d'intercalaires pour mettre entre les séries. Donc c'est des fausses cartes, c'est normal qu'elles soient là et qu'elles ne soient pas des bonnes séries. Et c'est aussi normal qu'il y ait des trucs de marqués au dos. Donc on commence avec la numéro 45, donc là on est à 40, et 45 ça va être juste ici, ça c'est nickel, là hop, on passe sur Dragon ensuite, donc Dragon qui est la deuxième série du bloc X si je ne me trompe pas, et ensuite en troisième série on a Tempête de Sable, donc ici on est sur Dragon, là on a la 81, et donc 82, 83 et 84 ça va être juste là, et donc ça enchaîne avec la 85, donc c'est parfait, ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Ensuite, on a Légende oubliée. Ah non, en fait, j'ai inversé. J'ai dit que Dragon, c'était la deuxième et Tempête de Sable, la troisième, mais c'est l'inverse. Ici, on va remplir le trou qui est juste ici avec ce Germignon. C'est très sympa. Ça avance. Ensuite, on a la 63 qui va venir dans le coin. Donc, il ne nous manquera plus qu'une seule carte pour cette page-là. Ensuite, on passe sur Rouge Feu Vert Feuille. Donc là, on a la numéro 80 à rentrer. Celle-ci, je l'avais déjà, mais je l'ai vendue en version reverse, il me semble, il y a un petit moment. Parce que l'illustration me dit quelque chose. Et vu que je ne conserve pas les reverse parce que je n'ai pas le budget, eh bien, je ne l'avais plus et j'en avais à nouveau besoin. Donc, on passe ensuite sur la série Team Magma et Team Aqua. Donc, la numéro 20, là, on est à 18, 19 et 20. Et comme je vous disais, ici, on a un Yann Mega de Platine Rivo Émergent. Mais c'est une fausse carte, c'est juste l'intercalaire. Sur lequel il est indiqué TMTA, donc Team Magma et Team Aqua. Et c'est pas TATM comme certains disent, Team Aqua et Team Magma, c'est l'inverse. Numéro 20 ici, ensuite on est à numéro 56. Donc on est à 58, 57 et 56, ça va être juste là. On poursuit derrière avec le Galekid, donc il reste son ami à rentrer, numéro 59. Et après, donc cette carte, je pensais qu'elle était de Gardien de Cristal, mais en fait non, elle est de TMTA. Donc il y a un autre Lagron en fait dans la série Gardien de Cristal, donc c'est pour ça que je pensais que ça venait de là-bas, mais finalement celui-ci vient de cette extension là. Donc on est à 89. Je viens de voir une petite erreur, donc celle-ci, la numéro 88, était à la place de la 89. Donc petit changement, 88, 89, 90, 11, 12, 13, 14 et 15, ça va venir juste ici. Premier ex de cette série pour moi. Et on passe ensuite sur Emerald. Et donc sur Emerald, on a la numéro 7 qui vient de l'autre côté, pardon, je me suis trompé. C'est juste ici.
numéro 7, et la numéro 8 qui enchaîne le Myobelus, qui est une des premières holo si je me trompe pas, parce que ouais, j'ai des rares après, mais en holo j'en ai très peu. J'ai cette Onigali qui est, je sais pas si c'est une holo d'ailleurs, mais en tout cas c'est soit une rare reverse, soit une holo reverse. Donc celle-ci que j'ai gardée parce qu'elle est explosée et elle vaut vraiment pas grand chose. Ensuite on va passer sur Guardian Crystal. Donc d'abord on a Force Cachée, mais je n'ai rien à ajouter. On va avoir Espèce Delta et c'est exactement la même chose. Ah bah non. Non, c'est juste que j'ai trié dans le mauvais sens. Donc mon Espèce Delta est juste ici. Et donc on a ce Mediena numéro 79 qui va venir à côté du Porygon. Ça, c'est parfait. Ensuite, du coup, je me suis encore trompé. C'est juste que j'ai mis mon Guardian Crystal trop proche. Donc, on a Créateur de Légende avant. La numéro 32 qui va venir par ici. Donc, on est à numéro 34, 33. Et donc, 32, ce sera juste là. Ça avance quand même, ce petit bloc-ex. Hein, ça avance doucement parce que c'est pas ma priorité. Mais on rentre quelques cartes de temps en temps. Là, on a Fantomolon, la série préférée de Valouz. Et ensuite, numéro 18, on va avoir le Rapace de Pique, juste là. Et numéro 37, le Lagron que j'ai déjà. Et ensuite, on va passer sur le classeur Diamant et Perle pour ranger ces deux niveaux X, donc checker l'état de mon Porygon. Et on partira ensuite sur le classeur AGSS, ADL, Noir et Blanc, puis le classeur de niveau X pour ranger encore tout ça. Ça fait vraiment une belle réception. Voilà donc le classeur avec la série qui nous intéresse. Et d'ailleurs, elle est juste ici. Donc c'est Aube Majestueuse qui commence à être bien complétée. Il va me manquer plus que 3 cartes sur cette série. Donc 2 niveaux X et une holo. Donc c'est vraiment pas mal. On va avoir donc le Porygon que j'ai. On voit qu'il est en bien meilleur état. Donc celui-ci partira dans le classeur de double. Et c'est surtout ce Philali qui va m'intéresser. Et qui va aller juste ici, à côté du Porygon. Donc malheureusement, il est bien explosé. Mais ça remplit quand même le classeur en attendant d'en avoir un en meilleur état. Changement de classeur et on passe maintenant sur le bloc AGSS. Et on va enchaîner avec la vérification de l'état du Typhlosion de mon classeur. Donc ce Typhlosion qui n'est pas ancré, donc ça va tout simplement faire une prime qui va aller dans mes doubles. Et enfin, la série qui nous intéresse, pour laquelle on va aller remplir les deux dernières cases correspondant à des primes. Donc on a d'abord le Absol numéro 91 qui va venir juste ici, et franchement ça va faire une très belle page. Et le Celebi qui vient juste à côté. Alors les sleeves sont pas forcément harmonisés parce qu'on en a un peu qui viennent de partout, mais c'est pas grave, ça fait quand même une très belle page. Et quand ce sera sous des plus beaux classeurs, je gérerai les sleeves pour que ce soit vraiment parfait. Et ensuite on poursuit sur l'appel des légendes. Donc on a la numéro 14, 14 c'est juste au milieu, ça c'est parfait, on ajoute des cartes à la collection. Numéro 44, donc là on a la 45, et la 44 est juste ici. Le Teddy Ursa numéro 73, donc là ça va être bientôt 74, et donc 73 c'est juste là. Et enfin la méthode d'entraînement du Prof Orb, qui est ici et que j'ai déjà, donc ça partira à l'échange aussi. Et maintenant, donc là j'ai ma première SL, et d'ailleurs j'en ai une autre qui arrive bientôt, j'en ai même plusieurs qui arrivent, donc ça va faire des choses sympas à recevoir. Et je sors le classeur NB pour ranger ces quatre reverse là. Alors le classeur noir et blanc, il est assez facile à reconnaître parce que c'est celui qui correspond à la série, donc au moins comme ça on est raccord. On commence donc avec ce Gruikui que je n'avais pas en reverse. Donc là, les 4 reverse, j'ai checké sur Pokécardex et j'en avais aucune des 4, donc c'est nickel. Je les avais déjà toutes en commune, il me semble, mais j'en avais aucune, bah en commune ou en rare, parce que Votutrice est une rare, mais j'en avais aucune en reverse, donc c'est parfait. Votutrice qui est juste ici, qui est upgrade grâce à la version reverse. Et enfin, Communication Pokémon. Là, on commence à avoir pas mal de reverse sur cette page quand même. Hop là. Donc ça c'est parfait, et maintenant je sors le dernier classeur pour finir ce rangement de ces magnifiques ultra vintage. Voilà donc le classeur de double et de promo, donc on est sur les doubles et promo de niveau X et prime, et même légende parce qu'il me semble que, ouais voilà, j'ai une légende qui traîne ici. Donc c'est génial parce que j'en ai reçu 6, et donc ces 6 cartes vont rentrer juste ici dans les 6 emplacements prévus pour. Alors ce sera plus trié par type, mais ça je vais le gérer en off. À chaque fois je refais en off parce que sinon ça prend trop de temps.
mais ça permet franchement d'avoir des jolies pages. Et ici, on a les deux typhlosions, donc je vais les mettre pour qu'ils se regardent. Donc, on va tout simplement faire comme ça ils vont regarder l'un vers l'autre. Et on va pouvoir voir qu'on a toutes les primes ici, donc ça c'est mes doubles et mes promos. Ensuite, pareil ici, on a deux primes et on passe sur les niveaux X. Une autre page de niveau X, une double page de niveau X et la petite légende qui est la seule en double que j'ai. Franchement, je suis trop content de pouvoir faire avancer ce classeur. Ça commence à faire vraiment des très belles doubles pages. Même si c'est des cartes qui valent 3 à 5 euros, franchement, je suis trop content. Je trouve que ça rend trop bien. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous propose de marquer hashtag 6 en commentaire parce que c'est le nombre de colis que j'ai découvert dans cette vidéo. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle. Allez, salut !